Bonjour, bienvenue sur Nord Attitude. Aujourd'hui, je vais vous faire voir qu'on peut jouer sur un MacBook Air M1 que j'ai acheté à e-concept à Limoges. Alors, je suis pas affilié avec eux, hein. Je l'ai acheté là-bas pour le SAV qui est très performant. J'ai emmené un ami qui a fait réparer son ordinateur là-bas. Mais là, c'est pas de sujet. Je vais vous faire voir les jeux, les 4 jeux dont je joue, auxquels je joue sur mon MacBook Air M1. Alors, ils sont optimisés pour l'architecture ARM du M1. Donc vous n'aurez pas de lag, pas de freeze, ça tournera impeccable. Donc c'est avec Apple Arcade, c'est une solution à 5€ par mois, enfin pas tout à fait, 4€ et quelques par mois. Et ça vous permet de jouer à plus de 200 jeux en toute tranquillité et hors connexion. Surtout c'est très important, moi quand je prends le train à Bordeaux pour aller pour mon travail, bah, je joue dans le train avec... Et avec ma manette Xbox en Bluetooth, c'est détecté très facilement également. Donc c'est surtout des jeux orientés familial. Mais bon, des fois ça fait du bien après un Elden Ring ou un Diablo 4 de se faire un petit jeu sympa arcade. Et ça rame pas, c'est vraiment très fluide. Le M1, même si vous avez un M2, c'est pareil, ça fonctionnera très bien. Moi je vous recommande cette formule. Et comme je vous le répète, ça se joue hors ligne. Donc parce qu'on peut jouer en cloud gaming aussi sur Apple, mais ça marche pas hors ligne. Donc là ça marche hors ligne. Donc je vais vous faire voir les 4 jeux tournés sur mon MacBook Air M1. Et j'espère beaucoup de commentaires et de pouces bleus pour cette vidéo. Vous êtes bienvenus sur la chaîne, abonnez-vous. Et pour si vous avez des questions, vous postez en commentaire. J'y répondrai. Je pourrais même faire des tutos comment connecter en Bluetooth sa manette. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Nord Attitude. Allez, ciao! Adapté à...